Coucou tout le monde, regardez pas ma tête, j'ai mis de l'huile dans mes cheveux, enfin bref. Bon, la nouvelle vient de tomber, nous sommes de nouveau confinés. Super. Grosse pensée du coup à toutes les esthéticiennes qui viennent d'ouvrir, à tous les coiffeurs, courage aussi aux restaurateurs parce qu'on n'est pas encore sorti de cette merde, à toutes les personnes qui ont des boîtes, bref, à toutes les personnes qui travaillent dur toute leur vie, qui sont confinées depuis un moment. Voilà, je sais pas ce qu'ils cherchent, ils attendent peut-être qu'on se suicide tous. Croyez-moi. Mis à part pour quelques exceptions, je vous le dis, le Covid, niveau argent, niveau moral, niveau tout, on se trouve tous vraiment dans le même sac. Ne pensez pas que moi, par exemple, parce que je suis influenceuse, que je vais mieux que quelqu'un d'autre. En tout cas, voilà, reconfinée pour 4 semaines. Vraiment, courage à tous. J'ai même plus envie de me lever de mon lit tellement je suis déprimée, je vous jure. Courage, on n'en voit pas la fin. Je sais pas quand ça va se terminer. Je pense que personne ne le sait réellement. C'est catastrophique. Et pour toutes les mauvaises petites langues concernant mon mime. Alors, faut savoir qu'on m'a souvent demandé de faire un mime, tout ça pour les pieds d'abord, que j'avais accepté. Donc, j'ai fait le mime pour les pieds, etc. Ça marchait bien et tout, j'avais pas de problème. Mais je me sentais pas. Il y avait un truc que j'aimais pas et tout. Donc, finalement, je l'ai supprimé. D'ailleurs, je vous l'avais dit, hein, je vous avais dit quand je l'avais fait. Je vous avais aussi dit quand je l'avais supprimé. Du coup maintenant je reçois plein. Déjà j'avais eu plein de demandes pour refaire un mime, etc. Pour que je poste en sous-vêtements, etc., etc. Et maintenant je reçois plein de messages. Déjà merci beaucoup pour toutes les personnes qui se sont abonnées. Franchement vous êtes nombreux et j'aurais pas pensé. Pour toutes les personnes qui me critiquent en disant « Oui, tu montres ton cul sur mime, tu fais payer les abonnements mime parce que tu montres ton cul. » Alors, faut savoir, quand je postais des photos un peu olé olé, et encore franchement, je trouve que j'étais très très soft moi dans Instagram parce que je sais qu'il y a des petits qui me suivent, vous étiez là en train de me dire « Oui, non, il y a des jeunes qui te suivent, franchement, t'es un peu vulgaire », alors que moi, je trouve que je suis pas du tout quelqu'un de vulgaire, mais bref, passons. « Oui, tu es quelqu'un de vulgaire, tu postes des photos vulgaires alors que tu es suivi par des jeunes, franchement, quelle image tu renvoies à nos jeunes d'aujourd'hui, etc. etc. » Et ben voilà, j'ai décidé de poster des photos un peu plus sexy et en plus je vous jure que je prends énormément de plaisir à le faire. Limite je préfère même poster des photos sur mime que sur mon propre Instagram. Donc du coup j'ai décidé de vous écouter, de ne plus poster de photos sexy sur mon Instagram, mais au contraire de le faire sur mime. Et sur mime, pour voir les photos il faut s'abonner. Pour s'abonner il y a un petit paiement à faire de 19,99€ pour le mois et vous pouvez voir tout mon contenu. Mon contenu est totalement différent bien évidemment que celui d'Instagram du coup. Et pour pouvoir faire les paiements, il faut soit l'accord parental, vu que c'est vos parents qui vous payeront l'abonnement, ou alors il faut avoir votre propre carte et dans tous les cas, je suis sûre qu'au moins vous serez assez âgé entre guillemets pour pouvoir regarder mes photos. Olé, olé !